Le procureur rapporté la presse aujourd'hui dans quatre visites officielles ça et c'est l'occasion de déroulement examen détail. Mon qui va parler c'est le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Tant que nous on est qui visiter centre d'examen ça, collège canado-haïtien, il va le partager avec nous, niveau de satisfaction, mais aussi et surtout de réussite de déroulement période d'examen. Donc, on utilise, c'est le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Augustin Antoine, qui va prendre la parole et qui a fait point de presse. Ça. Merci beaucoup. Bonjour, tout journaliste de la presse parlée, télévisée, écrite en ligne. Bonjour et merci pour vos présences. Nous témoignons une autre fois encore, volonté nous pour accompagner Andy Carimo et Lévio, parce que c'est eux qui sont acteurs dans le moment ça. Puis parents, parce que parents investis en pile dans l'éducation de Simon en Haïti, et puis directeur de l'école, parce que concerné enseignants. Avant de placer vous pour placer, permettez-moi de remercier PM, Dr Gary Colling, qui hier, à l'issue du conseil de gouvernement, dit ministre, qui sont pensés, il n'a jamais visité ce centre. Moi-même, pour moi, comment ça a déroulé. Je dis son gouvernement. Donc, on choisit pour l'aide canado-haïtien, qui sont proximité. Et PM, merci en ville pour vraiment être responsable. Malgré multiples occupations, pour examen a déroulé très bien. Et on connaît des petits problèmes de quelque côté, progressivement, on a visé les autres. Et dans nos paroles, ma première, c'est tout personnel du ministère de l'Éducation nationale, directeur départemental de l'Ouest Aguila, directeur et coordonnateur de la direction départementale d'éducation du Nord. Nous le Canada qui loge chez nous, qui permettent la faire confiance de ça. Merci. Alors, quand le président Chita sous déroulement examen, maintenant le dernier jour a fini, pour nous prononcer officiellement, mais nous avons dit à date, nous avons une nette satisfaction par rapport à la difficulté que les élèves ont été confrontés. Et depuis quelques années, difficultés parler au gagné parce que quand pile parents qui sont obligés de déplacer ici et là. Par exemple, selon le travail UNICEF fait, pour nous, gagner environ 360 000 parents qui quittaient le département de l'Ouest. Et de ces 360 000 parents, gagner en dehors 170 000 élèves. Donc, nous, problème général, le fait qu'on élève le contexte, Kachita, pour le composer, nous avons dit quand même, malgré tout problème pays, il y a une chance pour nous aussi. Et c'est un premier degré de satisfaction. Le deuxième degré de satisfaction, c'est que la société a mobilisé, parce qu'on connaît examen d'État, notamment le baccalauréat, son gros rendez-vous. Nous tous passons par là. Permanent passer par là. C'est lieu côté l'État dialogue avec jeunesse. C'est le moment côté l'État dit bon, on va l'évaluer. On va l'évaluer l'apprentissage, côté fait pendant de l'école, et puis on va où il y a un papier qui reconnaît le travail et pas que ça permet d'aller plus loin dans la vie, sous les docteurs, ingénieurs, agronomes, informaticiens. Donc c'est un moment important qui mobilise l'État au plus haut niveau, ça qu'on parle d'examen d'État. Et moment ça, c'est le moment pour jeunes. Vous songez moins dans mon examen. Feeling, l'ambiance là. Et nous voyons quand même mon climat, si on a proposé, il peut poser quelques questions, on dit vous bien proposer l'examen à la portée. Parce que la direction concernée, enseignement secondaire, avec l'autre instance dans le ministère,
te bail des examens qui a rapporté qui a des degrés de difficulté qui prend en compte problème environnement timonio qui prend en compte problème apprentissage là qui prend en compte toutes les difficultés parentales et autres qui ont. Et c'est occasion pour nous remercier la direction enseignement secondaire en particulier pour le programme de compensation. Ça permet vraiment Timounio à la hauteur. Et non, pas tout pour nous remercier et tout professeur qui vraiment te répond présent, qui te permet de nous bailler environ 85 à 90 000 élèves des cours de rattrapage, de compensation qui permettent à nouveau de faire. Alors, on profite de présence permanente, de visite ça, pour m'annoncer officiellement et la rentrée de l'année académique 2024-2025. Et c'est une raison permanente accompagnée le matin. Après, nous tous connaissons, après toute discussion qui fait au niveau du gouvernement, après toute analyse qui fait au niveau des instances compétentes, des directions concernées du ministère, finalement, nous décidons que rentrée scolaire, année académique 2024-2025, là, a fait 1er octobre. 1er octobre, c'est calendrier pour tout le monde, si vous l'école. Cependant, entrée administrative, côté tout directeur de l'école, directeur lycée, école nationale, directeur de l'école privée, dans l'école, yo, vous commencez à recevoir parents, vous commencez à recevoir élèves pour les questions administratives. C'est 16 septembre. Question pour si vous commencez à habituer à l'environnement scolaire, à une année difficile. Et période ça, nous-mêmes n'avons pas intervenu là-dedans. Période ça, nous avons engagé un ensemble d'actions que je vais dire tout à l'heure, qui permettent. Nous mettons si nous dans l'ambiance scolaire, dans l'ambiance académique. Et année ça, thème, nous kembel, c'est restaurer l'autorité de l'école. Année académique, ça a déroulé autour du thème, restaurer l'autorité de l'école. De façon pour permettre l'école là, redéfinir d'être comme l'école, la mission républicaine de l'école. C'est-à-dire, l'école là doit être aussi un garant. Et c'est garant ça qui permet tout le monde, toute classe sociale, faire cheminement dans la vie. Restaurer l'autorité de l'école. C'est-à-dire, professeur de l'école là, il faut lancer une classe là. Mais il faut les taper et tout. Et puis, notre sensible sur ça, il faut payer la leur. Parce que nous avons une situation qui a des gens qui nous qui ne travaillent pas. Des gens qui ne qui pas touché. Les gens qui travaillent qui ne pas nommé, c'est dans l'état des lieux, ça vient là, on vient là. Donc, nous disons que restaurer l'autorité de l'école, ça veut dire que l'école là, c'est lui qui met question. Même si on a besoin de nous, même si on a bataille, il faut l'école là, si nous avons une chance d'avancer. Parce que c'est Green Wood qui était pour jeunes, l'école là. Et on dit, monsieur, dames, journalistes, merci pour la compréhension par rapport à ça. Mais, nous profite l'occasion, ça a été un peu pour ça, pour annoncer quelques mesures. Parce que le PM a dit, et ministre, pas simplement dit notre scolaire fait telle date, mais c'est qui mesure qui a accompagné le processus. Donc, on est chef gouvernement qui l'a avec moi, bah, toute mission feuille de route. Et feuille de route là définit priorité gouvernement pour période que la place. Et moi-même, dans le secteur par moi, éducation, culture, maternité, éducation, feuille de route là, il y a quelques éléments m'extrait là-dedans pour m'annoncer mesures. Il y a une première mesure que m'a annoncé nous, c'est appui notre côté gouvernement côté par les parents, l'école publique fondamentale, communale et communautaire, dont 280 000 parents dans plusieurs départements qui nous ciblent, qui recevront environ 15 à 20 000 gouttes. Et ça permet un petit quichoy aux parents, à travers un démarche que nous les cash transfert, ça, c'est avec une compagnie téléphonique d'affaires. C'est un gros bagage, mais ça permet quand même aux parents de 20 000 gouttes. C'est pas gros la fonction. Et ça coûte nous, enveloppe ça, c'est 5 milliards de gouttes.
son bail qu'on a fait là à très très court terme. Et deuxième mesure que m'a annoncé qu'il a déjà, que moi-même m'a renforcé pendant la ville là, c'est distribution manuelle scolaire pour classe première, de la première à la quatrième année fondamentale. Premier cycle là, il y a distribué manuelle scolaire bio, on a continué le processus là. Ça a été le rhum, on a renforcé, on a continué. Troisième mesure d'où, on a distribué kit scolaire, uniforme et banc. Hier, nous avons eu un atelier de travail avec le directeur général FNEA. Il dit nous avons environ 10 000 bancs. Parce qu'on connaît qu'en pile l'école, notamment dans le département, il y a écrasé, banc écrasé, etc. etc. Donc, il faut nous bailler des bancs pour qu'il y ait un cachita. On a distribué 10 000. Et, je vais porter attention à nous, tout directeur départemental, il dit les privés, ils ont l'aide pour envoyer bailler. L'aide s'est demandée, faites connaître l'état de l'école. C'est-à-dire, est-ce que l'école l'a casée? Est-ce que Gimban? Est-ce que le professeur Ola qui problème ou bien? Est-ce que le professeur touché? Donc, l'état de l'école. Donc, ce qui fait que 10 000 bancs annoncés là, c'est possible pour le plus, parce que nous avons discuté avec des partenaires qui ont accompagné le gouvernement. N'a pas l'aide ouverte, renforcement de l'éducation à travers le pays, cantine scolaire. Bagay ça, c'est vraiment politique. Première discussion PM9 avec ce sous ça. Si Tim ne pas manger, il va pas prendre. Si Tim ne pas manger, il va pas prendre. Dans la pomme qui est même, nous pouvons couvrir le pays, il y a une question de manger. Donc, il faut éteindre quand il faut l'élevage jusqu'à 100%. Que nous dans la ville, que nous dehors. Et, dans le partenaire, nous rencontrons déjà ton pape. Nous demandons forcément les haïtiens, producteurs, paysans, qui vendent dans la commune côté de l'Oya pour faire le paysan. Donc, ils choisissent nous-mêmes pour nous relever la production nationale. Nous pensons que ça, c'est une bonne mesure. Pam, comme rapport parlé déjà, il était couvert pour nous l'année dernière près de 484 000 timons qui vont manger. Mais il faut aller au-delà. De sorte que d'ici 2026-2027, nous avons fait tout le pays à qui nous mangeons. Moi-même, je suis à l'école, je vais manger. Nous avons un grand bruit, parce que la famille n'est pas riche. Nous sommes à manger, mais nous ne sommes pas riche. Nous avons un grand bruit, parce que nous avons mangé à l'heure. Je vais manger quand même. Bon, moi, je suis dans la terre, donc nous avons produit, c'est bon. Bon. Si nous avons, en plus que nous avons des difficultés, nous avons basculé dans la pauvreté, la misère, et puis si nous avons à l'école, sans manger. Nous même avons réfléchi à quelques monde pour professeur, quand je fais bonheur, nous avons mis des filles, Kassav, Pamba, côté professeur qui nous apprend, qui ont agi. Est-ce qu'on peut nous permettre à travers nous dire, parce que des fois, professeur, nous sommes sortis sans manger, nous ne pouvons pas. Quoi, ben oui, son devoir, mais si professeur, nous qui choisit dans le sous-matrix, bien. Mais c'est une mesure que nous n'avons pas lancée. Il y a une mesure qui est clé pour nous. Ces formations enseignantes. Pour nous relever l'école là, il faut nous former enseignants. Le monde là, pas de quitter nous. Après, pas toutes les régions, nous sommes derrière. Même si le niveau scolarité a augmenté, mais nous connaissons quand même par rapport à tout développement, révolution cybernétique, développement technologique et autres, il faut nous faire formation pour enseignants. Et il faut nous faire formation notamment dans quatre matières où nous l'avons démonté comme ministre. Directeur de l'école, il a écrit ma droite à gauche. Il n'y a pas de fait de composer nos matières. Il est obligé de reporter pour l'année prochaine. Donc, on a fait formation en éducation esthétique et artistique, formation en éducation physique et sportive, pour nous avons pile athlète, jeune qui vient formé, qui a participé dans une compétition internationale. On a fait formation en éducation à la technologie et aux activités positives, et formation en éducation à la citoyenneté. Question ça! C'est une question centrale pour nous. Qui citoyen ici n'a pas préparé pour demain? Et puis, moi-même, je suis sorti dans l'école nationale. Thank you.
professionnel, M. Augustin Antoine, qui parle pour la parole et qui a fait point de presse. Ça. Merci beaucoup. Ces ministres haïtiens a reconnu et qui visitait le centre d'examen et Canada qui. Fermez. Le Canada qui nous reçoit, et puis vraiment, on a pas le travail pour nous voir comment on a amélioré la qualité de l'éducation. Maintenant, on réfléchit, on a fait tout, comment on accompagne l'école privée aux victimes, le travail ça, lien route, et on a avancé. Merci beaucoup. Et ça fait nous-mêmes, nous toujours prêts, non seulement comme professeurs, nous-mêmes comme professeurs, nous-mêmes comme militants, nous-mêmes comme avocats, nous toujours prêts. Quand ça a bon pour nous dire bon, quand pour nous dénoncer, nous dénoncer. Parce que je dis, le deuxième jour d'examen, malgré toute cette charge que tu as dans la question d'examen, hein, mais les techniciens au niveau ministère ont fait tout ça possible pour permettre que l'examen passe bien, pour permettre que l'examen soit réalisé. Mais qui ça me constate aujourd'hui, nous voyons que son délégation qui est déplacée ensemble avec et qui dit que le premier ministre peut arriver dans ce plan. Nous-mêmes qui journalistes, j'aime ce dire là, tout le monde a pu se poser cette question, qui ça vient faire là? Est-ce que le message pour libérer son pays, c'est dans le Canada, la ville, l'Anseli, ou bien pas qu'on est? Donc, c'est une question ça, nous tout à l'heure, qu'on est, qui ça, le Premier ministre lui-même, il comme il peut arriver, mais par contre, il y a toute mise en place qui a fait là, parce que nous, chef sécurité, nous, sécurité là, côté sécurité là, nous, avons porte-parole là, donc nous avons aimé qu'on est, effectivement, qui ça, la ville fait ici là. Donc, vous estimez que le Premier ministre n'est pas nécessaire là? Comment examen il est pas bon ici? Comment examen on a réalisé? Est-ce que pas un cas d'irrégularité que nous constatons? Bon, si pour question de cas d'irrégularité, il y a toujours bien ça à poster chaque année. Mais par contre, moi je te dis peut-être pour arriver en retard, ministère là, un ensemble de techniciens qui est toujours prêt lorsque le problème ça a posé pour apporter des éléments de réponse, des éléments de solution. Par contre, hier, vous êtes capable de remarquer dans la matinée. De sécurité sous terre pays d'Haïti pour nous qu'à déplacer et nous pas qu'à déplacer nous pas comme ça nous fait et ça nous fait sécurité nous fait du gros bagage la sécurité.